Bon, finalement, j'ai réussi à éliminer les deux bisons en un seul tour pour éviter les bugs. Donc, du coup, ce gars-là, donc Dalu le clown, me reparle. Et donc, du coup, on va. Eh bien, il nous dit que voilà, il veut récupérer les esclaves qui étaient embêtés par les bisons. Sauf que non, nous, on va les libérer. Hey, we tell the jokes around here, Pendejos. And if you ain't joking, then you're dead. The Payaso Alors, folks avec stand for Grosdur, no on aurait funny pu business, comprende? les intimider, mais tant pis, on va s'en débarrasser. Now you'll see, Momos. You'll see what you get when you mess with the Payasos. On va se débarrasser de ces méchants. Alors, ah ouais, c'est super mal placé, elle. Alors, on va faire ça. Ah ouais, je peux tirer une deuxième fois. Wow, c'est la fête. On va tirer sur lui. Voilà. Et je vais me cacher. Voilà. Là, je peux utiliser une explosion nucléaire. Frappe nucléaire. C'est peut-être bien de faire ça là. Voilà. Ça me paraît bien. On va les insulter. Et ouais, on va rester là. Bon, normalement, ça devrait passer, je pense. Peut-être pas. Ah mince, je peux pas me cacher derrière ce truc là, ok. Tant pis, on va se cacher derrière. On garde le dernier point. Avec elle, je vais me mettre là et allumer lui. On garde les autres points. Je vais peut-être me mettre là et... Qu'est-ce que c'est que ça, c'est ce nom? Risqué, essayez. Et il reste Lucia. On va achever lui. Ah, bah attends, on va peut-être pouvoir achever lui aussi. Voilà. Nickel. Alors, donc pour rappel, on est toujours au circuit de Yuma County. On pille ces gars-là. Ah oui, il a morflé le Razorback. En fait, j'avais même pas vu. Je pense qu'il devait être dans l'explosion. Il devait être dans la frappe nucléaire et j'ai pas fait gaffe. On va looter ce gars-là qui a une cassette audio. Ok. Non! On va pouvoir récupérer. Un truc ici. On va pouvoir parler aux esclaves. Hein. D'abord, on va désamorcer les explosifs. Récupérer des trucs alors qu'on n'en a plus besoin. C'est pas grave, c'est compulsif. Et on va pouvoir parler aux esclaves pour les libérer. Thanks again for saving us, strangers. Thanks again for saving us, strangers. Ah oui, donc ça y est, ils sont libérés en fait, y a pas de dialogue. Thanks again Bon, bah for écoute, saving us, voilà. strangers. On les a libérés, c'est très cool. Et donc maintenant, nous allons pouvoir descendre juste ici pour aller au parc éolien. C'est parti. Alors dès qu'on arrive, on va rencontrer le... notre
un groupe de paillassos qui sont cannibales et qui vont nous proposer un hamburger de clown ou un truc comme ça. Un clown de burger, pardon. Et il se trouve que bon bah c'est fait à base de viande humaine. On va faire le lèche-cul. Donc, se sent-il malade? Oh, you're just guessing. I mean, yeah, everybody feels sick. Sorry, fucksticks. There's no getting out of this. You're either getting a clown burger. On va s'en débarrasser, hein. De toute façon, bon, ils ont pas l'air très bien. On va leur rendre service. Hors de portée. Alors, hop, si c'est hors de portée, on va commencer par les insulter, histoire qu'ils tirent un peu plus mal. Ah, je peux pas me planquer là, mince. Ok, bon, alors on va profiter pour faire ça, et on va se foutre dans un coin, voilà, c'est très bien. Alors, ensuite, avec elle, je vais me caler, je pense, ici, ça m'a l'air pas trop mal. Et je vais essayer d'exploser. Ah, dommage. Bon, c'est pas grave. Avec lui, je vais mettre là. Ah oui, d'ailleurs, je vous avais pas dit, mais j'ai récupéré un lancer, je crois que ça s'appelle dans Gears of War. Bon, là, ils appellent ça un lancier, mais j'ai trouvé ça totalement au pif en baladant sur la carte. Lanzor, ouais c'est ça, Lanzor je crois dans Gears of War. Eternity, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Ah, attends, peut-être faire bien mal là. Nickel. Alors attends, on va pas user le dernier truc, on va envoyer Lucia ici. HVL. Hydra, on va l'envoyer ici. On va endommager l'armure de ce guignol. Et avec Eternity, on va rester en embuscade. Ok, c'est bon. On s'en est débarrassé. On récupère des trucs. Ah, c'est vrai qu'on aurait pu tirer sur les réservoirs d'azote aussi, j'avais même pas vu. On peut réparer un grille-pain ici. Casque grille-pain. Là, je me rappelle pas du tout de cet objet. Hein. Par contre, non, mais ils en ont rajouté des trucs. Parce que c'est pas possible. Vu comment j'ai fouillé, c'est pas possible que je sois resté. Je sois passé à côté.
Ok. Alors, on en est là. On a un truc à faire ici. Ce sera un petit peu plus tard. On va quand même s'y rendre pour visiter un peu. Hein. Là, on a encore une cassette. Là, on a un camion de glace, ok, ça nous sert à rien. Ah oui, on peut-être pas en fait, hein, ça va peut-être pas nous servir cette zone, parce que je sais que pour une des missions, on doit venir ici pour discuter avec un des membres des cerfs-volants, je sais pas quoi. Mais peut-être qu'on n'aura pas à le faire là, vu qu'on n'est pas avec Cordite. Ouais, par contre, eux, là, ils sont vénères, hein, direct. Ils nous veulent du mal. Ils nous veulent direct du mal. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contourner. On va venir par ici. On a aussi des méchants à battre ici. Des drôles. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un drôle explosif, là. Ouais, non, mais lui, il faut absolument s'en débarrasser, quoi. Ah, il y en a deux. Il y en a deux. Mais c'est pourri. C'est tout pourri. Ok, ça en fait déjà un de moins. Bon, déjà pas mal. On va lui couper les jambes. Ok, et avec Eternity, on va se mettre là. Oui, mais je l'ai complètement oublié celui-là aussi. Ah oui, il est méchant, quoi. Ah oui, 3724 PV, quoi. Yoï, yoï, yoï. Je serais d'avis pour un truc comme ça. Suivi d'un truc comme ça.
Voilà, maintenant on va se concentrer sur lui. C'est quoi ça déjà? C'était risqué aussi, hein. Bon, on va voir ce qui m'arrive, hein. Ok. On s'en est sorti. Pas tous, hein, mais. Pas tous sortis indemnes. T'as quoi là, t'es empoisonné? Ah, empoisonné, empoisonné, c'est ça, anti. Non, bon, comment ça marche déjà? Hop, j'ai le droit. Ok, alors, hop. Toi, ça va, tu peux prendre ça et hop, une petite fléchette pour elle. Ok, donc ça, première étape. On a éliminé ces affreux. On va revenir ouais, ici. Là, on a encore d'autres affreux. Avec un gros, gros affreux. Est-ce que je peux faire ça? Attends. J'en faire ça. Et ça, c'est chargé du coup, pas? Ah non, et ça, c'est pas chargé. Ah, j'ai fait une connerie du coup. C'est pas grave. Si je me souviens bien, la grosse larve se déplace après. Hein. Enfin, d'ailleurs, je crois qu'ils se déplacent tous en fait. Hein, mais... Ok. Est-ce qu'on peut... Ouais, endommager au moins lui. Et après, qu'est-ce que ça donne si je viens là? Est-ce que... Je peux avoir les deux là? Les deux là. Si je peux avoir... Pour de vrai, je peux avoir les deux là, mais on dirait pas. Bon. Dégueulasse ce verre.
Ok, donc ça, c'est fini aussi. Alors, pourquoi venir ici? Car, alors, en théorie, c'est ici que nous allons pouvoir trouver, bon, déjà, une cassette, mais surtout, est-ce que c'est là qu'on trouve un cadavre? Non, c'est pas ici. Ah, là, je me suis trompé, c'est pas ici, bon, c'est pas grave, on fera toujours de l'XP. J'étais sûr que c'était là. On cherche le cadavre de Cucaracha. Alors, qu'est-ce qu'on a là? L'effaceur. D'accord. Arme de poing. Ok. Ouais, trop nombreux déjà. Bras. Alors maintenant qu'on s'est débarrassé de ces types-là, on va pouvoir s'attaquer au gars des cerfs-volants. Ici, il n'y a rien. Ok. On vient là. On va quand même soigner tout le monde. On va quand même soigner tout le monde correctement.